Je veux dire merci encore une fois de plus à toutes et à tous. Merci à Platini qui chapeautait bien sûr l'organisation de cette soirée. Merci également à ceux qui ont contribué de près ou de loin. Merci à Franco Le Mignon qui a fait le déplacement. Vous êtes ici aujourd'hui. Voilà un monsieur que les gars insultaient sur Facebook tous les jours. Alors qu'il cherche son argent, il a acheté sa nouvelle carte qu'on a bavardé. Regardez comment il porte la caméra, un chef d'entreprise. Il passe la nuit, sans dormir, il est quitté Léon, il est là, avec ses employés. Il porte la caméra, il travaille. Demain, les gens diront que non, c'est pas simple. Vous-même, vous êtes témoin. Franco, merci également pour le travail. Alors, ce que nous allons faire, moi, je suis Sikati, Dieu me dort. Prenons rendez-vous demain à partir de 10h sur ADK Radio, sur ma chaîne YouTube, Dieu de l'or, Sikati Comedy, Facebook, Dieu de l'or, Sikati, et sur les chaînes de Blanda. A plus. Tu peux rester le numéro, mon frère, s'il te plaît, c'est important. Mon numéro, c'est le 675-06-04-29. Merci encore. Madame, on y va. Quand tu te retournes. Vous vous retournez, madame, je vous en prie. Voilà. Alors, c'est parti. Comptez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0. Vers l'entrée principale où on va retrouver le pâtissier. Mais attendons, s'il vous plaît, nous allons donner l'occasion à ces deux personnes que je parlais tout à l'heure. Ils étaient comme vous et moi, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Et aujourd'hui, ils ont dit ne peuvent pas mentir, ils savent faire quelque chose pour se nourrir. Quand j'ai coupé sa main, j'ai encore dit que. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà, nous allons faire simple. Hein, Franco? Yes. Il est où? Le plus élégant des hommes, le plus mignon. Voilà. Vous pouvez voir que les gars sont dans le. Hey, ferme, même un vieux de 85 ans, quand il se marie le même jour, ça, le mariage est comme si on venait de se connaître. N'est-ce pas? Je dis, c'est comme si c'était le premier jour. Tu habites avec ta femme, ferme 25 ans, 50 ans, le jour que vous signez, c'est comme si c'est une belle femme que tu as draguée. Alors, elle dit. Ah. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut applaudir pour Frontambo? Aidez-moi à l'autre cavalier, je vous en prie. On fait mousser le champagne. Voilà. Voilà, c'est la plus grande chose à faire. Ça prend du temps. Avec une fourchette. Voilà, s'il vous plaît. Monsieur le pâtissier, est-ce qu'on peut ramener le gâteau à ce niveau pour permettre à tout le monde de vivre l'événement? Je vous en prie.
chef de protocole, c'est ça? En même temps, je suis également le président du comité d'organisation. Voilà, nous voulons connaître vos sentiments en ce jour, en tant que père. Non, vraiment un sentiment plein de joie, parce que c'est un privilège, c'est un honneur. Et que vraiment pour ce jour, nous sommes toute la famille, la grande famille également, très fière. Et c'est quelle famille? La grande famille Nona Séraphin, la grande famille de Nona, la grande famille qui a fondé cette famille-là. Ouais. Voilà, maman, tu vas nous expliquer ce qui est caché derrière ce sourire-là. Quels sont vos sentiments ce jour? Vous êtes quand même la maman de la mariée. Je vous assure, Parlez un peu fort, maman. Je n'ai plus rien à dire. Non, dis quelque chose. Je n'ai plus rien à dire. parce que quand c'est déjà bon, plus de que je peux parler. Je n'ai plus rien à dire parce que je suis tellement content, tellement fier. Quelles sont donc vos impressions? Mes impressions sont. Des impressions de joie. Ouais. Donc, très content d'avoir eu la chance de participer déjà à l'organisation de ce mariage. Ouais. Et à la fin, ça a été un mariage qui s'est bien passé. Ouais. Et au niveau de la mairie, tout le monde a suivi ce que le maire a dit.